Bonjour, bonjour les élèves. J'espère que Dieu vous protège là où vous êtes. Good morning, all my pupils in class 5. I'm very, very grateful and hopeful that God is keeping you where you are. Today, we are going to learn about the days of the week. But in French, we say les jours de la semaine. You can repeat that. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est lundi. 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 Mardi. Mardi. Mercredi. Mercredi. Jeudi. Jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi, dimanche, dimanche, lundi, répétez avec moi, lundi, lundi. En anglais, ça signifie Monday. Lundi, en anglais, ça signifie Monday. Ça, c'est français. Français. Et ici, c'est anglais. Anglais. Lundi, en anglais, on va dire mardi. Mardi. En anglais, on va dire Tuesday. Mercredi. On va dire Wednesday. Jeudi. En anglais, on va dire Thursday. Vendredi. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Friday. Samedi, on dira Saturday. Dimanche, dimanche, on va dire Sunday. Et maintenant, répétez avec moi les jours de la semaine. Now, you can learn how to pronounce the days of the week in English, in French. Let us start. I pronounce, you also repeat after me. I start. Lundi, prononcez avec moi, lundi, prononcez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup. Bravo, 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 parce que tu as prononcé avec moi. You make sure you pronounce with me because you cannot master something or you cannot know how to say it if you did not learn how to pronounce it. So you are supposed to pronounce with me and I hope you did it. Now you are going to do something with me also. We are going to repeat this sentence which we use to know or to master the days of the week in French. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes quel jour? In English, it means today, Today is, oh, it can also mean, we are which day? Today is which day? Okay. You know how you can make a
sentence, a good sentence in English, but I'm trying to help you to understand the meaning of this. I'm teaching you French, not English. That is why I'm trying to show to you how you should understand. You can understand this. Today is aujourd'hui nous sommes. You will answer like this. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Because today is Tuesday. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Répétez avec moi. Répétez là-bas, là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Répétez ensemble. Répétez avec moi là où vous êtes. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Which day is today? Which day is today? Oh, today is which day? Which day is today? Aujourd'hui, nous sommes mardi. Tomorrow, you will say, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ok, votre devoir ici, vous allez étudier comment vous pouvez apprendre. Vous allez étudier comment est-ce que vous pouvez utiliser la phrase « Aujourd'hui, nous sommes quel jour ?» That is your homework. Learn how you should ask the day, for the day. Which day is today? Today is which day? So in French, you say « Aujourd'hui, nous sommes quel jour ?» And you will answer like this. This is the answer that you are going to give when you ask it like this. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? You will answer like this. Aujourd'hui, nous sommes. This is the question. And this one is the answer. The question and the answer. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Posez la question. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Answer now. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Because today we are Tuesday. Today is Tuesday. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Aujourd'hui, if it was tomorrow, you could say, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Merci beaucoup. Je vais encore répéter les jours de la semaine avec vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Merci beaucoup de me suivre. Je pense que vous allez maîtriser ça. Vous allez répéter ensemble pour que vous puissiez maîtriser. Merci beaucoup. Au revoir.